Deux passages dans les proverbes au chapitre 18 et au chapitre 20. J'ai prêché pour le mariage de notre frère Zico hier et le Seigneur me pousse à parler de ce thème aujourd'hui. Proverbe 18 au verset 22, Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais au chapitre 20, la Bible dit au verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Quand nous Faisons un vœu à Dieu, quand nous échangeons des promesses devant Dieu, nous ne pouvons en aucune manière briser cela. Il faut aller jusqu'au bout, même si ce n'est pas à notre point de vue la meilleure chose pour nous. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Je te demande d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Seigneur, que nous puissions être alignés avec ta volonté, avec ta parole. Je te demande de passer dans les rangs, de toucher, de guérir les malades, de sauver toute personne inconvertie. Seigneur, délivre les captives et que chaque personne puisse recevoir la justice, la paix et la joie, ta paix et ta joie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Selon la Bible, selon Jésus-Christ, le mariage est quelque chose de particulièrement sérieux. Malheureusement, il y a énormément de gens qui ne comprennent même pas ce que la Bible enseigne. Et nous avons des églises, des pasteurs, énormément de gens qui sont en train de désobéir à la parole. Selon le Nouveau Testament, le mariage chrétien est l'image de l'amour de Jésus-Christ pour son Église. C'est aussi l'image de son amour, de son respect et de sa soumission à Dieu le Père. Jésus existait en forme de Dieu, il était auprès du Père avant que le monde fût. Il était, selon Philippiens 2, en existant en forme de Dieu, égal avec le Père. Mais il s'est dépouillé pour devenir un homme, pour accomplir le plan du Père. Il s'est soumis volontairement, par amour et respect, à son Père. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, chapitre 5, Paul parle de cette. Parallèle entre le Christ, son amour pour l'Église et l'amour que les maris devraient manifester envers leurs femmes. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une salle de chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari, un peu avant, le mot est utilisé, que les femmes soient soumises à leur mari, comme Christ a été soumis au Père. Selon Jésus-Christ, le mariage est un engagement pour la vie. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas ça. Jésus-Christ, écoutez-moi bien, Jésus-Christ n'a jamais enseigné qu'on pouvait ou qu'on de, qu devait divorcer en cas d'adultère ou infidélité. Vous avez entendu cela depuis longtemps et c'est faux. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas du tout ce que le Christ a enseigné. Le mot qui est utilisé par beaucoup comme clause suspensive pour les mariages, en fait, Jésus a dit ⁇ sauf en cas de pornéa, selon le grec. ⁇ Le mot pour infidélité, adultère, n'est pas pornéa. En anglais, ce passage est traduit par fornication. Dans d'autres Bibles, c'est traduit par un mariage incestueux, non valable. Nous savons que les deux mots sont complètement différents. Vous n'avez qu'à lire en Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Le mot impudicité, dans certaines Bibles, c'est débauche c'est le mot pornéa. Adultère, c'est machéo en grec. Et les deux sont mentionnés séparément dans ce, ce passage. En fait, dans les commentaires de la Bible de Jérusalem et d'autres, et surtout dans le livre du docteur Lané, professeur en théologie, euh, son livre, c'est le mythe du divorce l'anglais, the divorce myth. Le docteur Lanné a expliqué ce même principe, que le mot pornéa, bien que ce mot est utilisé souvent, de manière générale, pour tout acte sexuel, en général, c'est utilisé uniquement pour les gens qui ne sont pas encore mariés. C'est la différence entre machéo chère. Et pour Mais il explique que quand on utilise le mot, à l'époque, quand les gens utilisaient le mot pour quelqu'un qui était déjà marié, c'est en fait que leur mariage n'était jamais légal, biblique, aux yeux de Dieu. Parce que Dieu avait interdit... Les mariages entre des personnes trop proches dans la famille, pour éviter que les enfants soient nés déformés. Jésus n'a jamais parlé d'infidélité ou d'adultère comme raison de divorcer et de se remarier. Et on constate que ce n'est que Matthieu qui mentionne ces clauses. Lui qui écrivait aux Juifs, qui comprenait bien ce qu'il voulait dire. Dans Marc, il n'en parle pas. Dans Luc, il n'en parle pas. Et surtout quand on lit en Corinthiens 7, Paul est très clair, il cite le Christ en disant qu'on ne divorce point. Point. C'est ce qu'il a dit au verset 10 et 11 de 1 Corinthiens 7. Et si on est divorcé, on reste célibataire ou on trouve la réconciliation avec la personne. Selon la fin du chapitre, la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vivra, c'est uniquement en cas de la mort, son partenaire qu'elle pourrait se remarier. Et d'après les autres versets, ça semble s'appliquer aussi à l'homme. En d'autres termes, le Christ ne voulait point de divorce. Lisons dans Marc 10. Marc chapitre 10, les pharisiens voulaient piéger le Christ. Ils savaient que le Christ avait d'autres positions qui n'étaient pas en accord avec la loi de Moïse. Ils voulaient trouver une raison pour le faire mourir. Au verset 2, les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent... S'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit Que vous a prescrit Moïse Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Jésus leur dit C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En d'autres termes, Jésus-Christ disait Si vous croyez en moi, et vous êtes juifs, vous êtes avocat, ne participez pas au problème de divorce. Ne vous mêlez pas de ça, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Ils leur disent, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari, et en épouse un autre, elle commet un adultère. Lisons dans Matthieu 19. Après avoir entendu l'enseignement du Christ, les disciples étaient troublés. Et ils ont dit au verset 10, si telle est la condition de l'homme, à l'égard de la femme. Il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur, de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. À cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. En d'autres termes, Jésus a répondu à ses disciples Qu'est-ce qu'il en comme ma vie Ne brisez pas mes commandements ne changez pas mes commandements. c'est mieux de devenir un nuque que de briser mes commandements à cet égard Vous savez historiquement vous n'avez qu'à étudier un peu l'histoire l'église n'a jamais permis les divorces et des remariages l'église catholique récemment semble changer peut-être à cause du dernier pas pas encore. Mais historiquement, si quelqu'un parmi les chrétiens il y avait divorce et les personnes se remariaient contre la vie de l'Église, ces personnes pouvaient venir à l'Église mais ne pouvaient plus prendre la Sainte-Sainte. C'est toujours le cas dans beaucoup d'Églises. Parce que ce que le Christ a dit est sévère. Et il s'est répété plusieurs fois. Lisons dans 1 Corinthiens 7. Au verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Il ne donne pas d'exception, cas d'adultère, etc., etc. Il dit point. L'ordre du Seigneur. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, si son partenaire commet un adultère, qu'est-ce qu'on fait On pardonne, comme le Christ a pardonné. Dans Jean 8 à la femme adultère. On se met en question pourquoi est-ce que lui ou elle a commis l'adultère? Est-ce que j'ai manqué à mes, mon devoir selon la Bible? Est-ce que j'ai manqué au niveau de la prière dans le foyer? Est-ce qu'on est allé fidèlement aux réunions de l'Église? Il faut se mettre en question. Il ne faut pas se laisser remplir de haine pour son partenaire. Il faut voir, mais qu'est-ce qui a causé cela? Je n'en parle d'amen ou d'alléluia. C'est vrai, si vous dites oui ou non, c'est la vérité. Dieu nous donne des commandements à l'égard du mariage. Qu'est-ce que Paul a écrit dans Corinthiens 7 au début Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que tous se marient. Il y a des gens qui ont le, le don. De rester célibataire dans la pureté, dans la joie, et accomplissent des choses que d'autres ne pourraient pas accomplir en étant mariés. Mais il est dit néanmoins, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. J'aime pas le dire, mais il faut le dire, il y a des gens parmi ceux qui se disent chrétiens, qui sont allés jusqu'à priver le partenaire et même à pousser à commettre un adultère pour avoir une raison pour divorcer. Tu connais des cas même où des gens ont payé de l'argent à quelqu'un pour faire shooter le partenaire, pour avoir une raison soi-disant biblique, pour divorcer et se remarier. Et pourtant, c'est complètement contre la Bible, le tout. Donc on devrait se mettre en question s'il y a un problème à cet égard. C'est sans doute un des points les plus importants dans le contexte du mariage. Il y a des gens qui ne veulent pas obéir à cela. Il y a des gens qui ne veulent même pas entrer dans le contexte de la sexualité, qui se marient quand même. Et, et c'est du n'importe quoi. Dieu a donné ce commandement au travers de l'apôtre Paul -port et nous devons obéir si on se marie. Le croyant doit aussi renoncer à l'idée de l'infidélité. Il doit renoncer à la convoitise, qu'il soit célibataire ou marié. Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 27, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. La femme peut faire la même chose. Nous devons chasser toute convoitise, toute pensée mauvaise. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que toutes nos pensées doivent être captives à la pensée de Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'ai dit... L'engagement dans le contexte du mariage est pour la vie. Ce n'est pas pour l'éternité. Quelqu'un a dit au mariage hier, mais enfin, je me suis marié pour l'éternité. Désolé, ce n'est pas le cas. C'est jusqu'à la mort. Il n'y aura pas de mariage aussi. Il n'y aura pas la même sorte de relation que nous avons ici bas. Nous serons selon le Christ comme les anges. Nous n'aurons plus besoin de ça. On sera comblé par la plénitude de la présence du Christ et de son Esprit. C'est jusqu'à la mort. Il y a plusieurs choses qui peuvent troubler un mariage. Combien de personnes sont mariées? Combien de personnes voudraient être mariées? Combien ne voudraient pas être mariées? Non, je ne vais pas demander ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent être mariés jusqu'à ce qu'ils soient mariés. Et là, c'est autre chose. Ce n'est pas facile, vous savez, la Bible est très claire. Nous pouvons nous marier avec quelqu'un et cette personne, tout en se disant chrétien, peut dérailler par la suite. Et ce n'est pas facile pour les gens qui se trouvent à divorcer, mais Dieu peut les aider. Dieu peut les aider à être dans la joie et la victoire en dépit de tout cela. Et de toutes les manières, peu importe notre situation, notre contexte, nous devons dépendre du Saint-Esprit du Christ pour réussir. On peut être piégé, trompé, égaré par le diable. En tout cas, il va tout essayer pour nous faire tomber. Et nous devons persévérer. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur, même si tout et tous sont contre nous. C'est très important. C'est très important. Il y a des gens qui ont souffert de manière inimaginable, qui sont restés fidèles. Je pense même déjà dans la Bible à Joseph. Dieu avait un plan pour sa vie. Il a été jeté en prison. Trahi, vendu par ses frères, mais Dieu a accompli quelque chose de magnifique parce qu'il est resté fidèle. Parce qu'au lieu de commettre l'impudicité, il a fui la maison de Potiphar où sa femme, la femme de Potiphar, faisait tout pour le pousser à coucher avec elle. L'argent est souvent un problème dans le mariage. Selon le Christ, nous devenons une seule chair. Donc, nous devrions faire tout ensemble. Nous devrions être unis en pensée, en parole, surtout en servant le Seigneur. Il faut être unis. Et juste. Une suggestion pour les personnes qui ne sont pas encore mariées. Ne pensez pas que parce que la personne qui vous demande un mariage est chrétien, que ça va marcher. Il n'y a que le Seigneur qui connaît l'avenir. Et la personne qui veut se marier avec vous va devenir peut-être un démon en quelques semaines ou quelques années. Si je le dis, je connais même des, des prédicateurs, des gens utilisés par le Seigneur qui sont devenus, enfin peut-être pas devenus, mais possédés de démons égarés au, au plus haut niveau, ça dépasse même l'imagination, leur état actuel. Je connais, j'ai des, des amis, où soit le mari ou la femme, femme de pasteur, femme d'évangéliste, sont partis faire n'importe quoi. Et le frère ou la sœur, doit faire face à cela. Le Seigneur est capable de nous aider, peu importe la situation. Après le mariage hier, un, une femme est venue vers moi pour me remercier pour le message en me disant, mais j'ai eu énormément de problèmes. Mon mari m'a quitté. Il était alcoolique. Je voulais divorcer, mais je connaissais la Bible et le Saint-Esprit me posait à ne pas le faire. Faire-le enfin, m'a raconté une longue, longue histoire. Ça a duré des années. Mais finalement, le Seigneur a réglé le problème et son mari est revenu et va à l'église avec elle. Dans l'église de mon meilleur ami d'enfance, quand il était toujours pasteur dans cette église, très grande église qui a grandi d'une centaine de personnes à 8000 pendant son ministère-là, ministère de 25 ans, il avait une position très très claire par rapport au divorcé, du remariage, c'est-à-dire on est en contre. Et en fait, s'il avait donné un conseil à quelqu'un de ne pas divorcer, de ne pas se remarier, si la, les personnes venaient dans l'église remarier, il a arrêté la réunion et a demandé à ces deux personnes de partir avant la Sainte-Sainte. Il y a beaucoup de gens qui se moquent d'une telle position, mais le Seigneur a vraiment béni son ministère et son Église. Elle est devenue la plus grande Église de l'État du Michigan. L'argent. Nous sommes unis en Christ. Une seule chair. Donc mettez tout en commun. Peut-être que l'un ou l'autre ou les deux travaillent. Mettez votre argent ensemble et décidez ensemble comment vous allez l'utiliser. N'entrez pas dans des, des querelles à cause de l'argent. Ne soyez pas trop stricts, mais il faut quand même réfléchir pour utiliser l'argent de la meilleure manière possible. Vous savez bien que selon le Christ, nous devrions tout faire pour prospérer. Paul a écrit dans Ephésiens 4, verset 28, que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant avec ses mains ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin, qui indique que c'est la volonté du Seigneur qu'on prospère, mais non pas de manière mystique. Il veut qu'on travaille, qu'on ait un peu d'ambition, non pas pour être enrichi nous-mêmes, mais pour avoir de quoi donner. Il faut quand même réfléchir. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et se laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a des hommes qui ne veulent absolument pas que leur femme travaille. Ce n'est pas biblique. Si la femme veut travailler, elle a pleinement le droit de le faire. Selon proverbe 31, la Bible parle de la femme vertueuse qui travaille pour aider sa famille. D'ailleurs, dans l'économie actuelle, c'est très très difficile à moins de gagner vraiment beaucoup d'argent. C'est difficile si les deux ne travaillent pas. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est d'être en accord à tous les points de vue. Si vous avez des enfants ou si vous comptez avoir des enfants, il y a des règles aussi. La Bible nous dit de les aimer, de leur parler continuellement du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, nous ne le faisons pas assez. Trop de fois, nous avons l'idée, moi je l'ai eu moi-même, que si on est fidèle à l'Église, si on amène ses enfants à toutes les réunions de l'Église, ça va suffire. Ça ne marche pas. Parce que très souvent, les enfants n'écoutent point. N'écoutent point. J'ai parlé avec des, des personnes qui avaient passé. 20 ans à l'église, qui n'ont jamais écouté un seul message. Ils ont bloqué le message. Ils ne voulaient pas savoir. Donc c'est très important de prier avec eux à la maison, de leur enseigner vous-même les principes de la parole. Dans le contexte d'Israël, à l'époque de Moïse, Dieu avait donné beaucoup de commandements dans ce sens. Il voulait qu'il y ait des passages bibliques partout dans la maison. Il voulait que que les parents parlent aux enfants pendant le, leur voyage, le matin, le soir, en tout temps. Je, je peux vous dire que ma mère était et toujours comme ça. Elle va toujours vous parler du Seigneur. Je sais très bien que moi-même et mon frère sont pasteurs, mais il a toujours quelque chose à nous enseigner. Amen. C'est biblique. Et il faut écouter. Aimez vos enfants, enseignez-leur, mais ne les mettez pas à la première place. Le Seigneur doit avoir la première place. Votre mari, votre femme doivent, doivent avoir la seconde place. Les enfants, c'est après. Pourquoi? Parce que vos enfants vont vous quitter. Peut-être qu'ils ne vont même pas vouloir vous parler par la suite. Il faut tout faire pour entretenir la flamme de l'amour avec votre partenaire. Vous risquez d'être obligé de, de passer beaucoup d'années ensemble après les enfants. Et il faut que ça marche pour être dans le bonheur. Faites très attention par rapport à votre famille. Je parle de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Ne permettez pas qu'ils troublent votre mariage. On quitte son père, sa mère, ou sa tâche à sa femme. Et on protège son partenaire. On ne permet pas que les gens le critiquent. Ne partagez pas vos problèmes s'il y en a avec n'importe qui, surtout pas avec la famille, qui n'aime peut-être déjà pas votre partenaire, qui n'ont jamais aimé votre partenaire. Sans doute, la clé la plus importante, c'est au niveau de nos paroles. Qu'est-ce qui cause les divorces? Qu'est-ce qui cause les guerres? En général, ce sont les paroles. Nous devons veiller sur nos paroles. La vie et la mort sont au pouvoir dans la langue. Il y a de nombreux passages dans les Proverbes qui nous mettent en garde. Et aussi, dans le contexte spirituel, on doit faire très, très attention. Mais il y a des gens sur l'Internet, Facebook, et en général dans beaucoup d'églises, des gens qui sont en train de se suicider spirituellement. Parce qu'ils insultent, ils sont outrageux, ils aiment attaquer, ils aiment provoquer. Et Jésus a dit que celui qui fait cela, selon Matthieu 5, est digne du feu de la géant. Jacques a écrit au chapitre 3 que celui qui fait cela est diabolique. Un zèle amer est diabolique. Il y a des gens qui aiment parler de la Bible et aiment se disputer au niveau de la doctrine de la Bible. C'est diabolique. Vous êtes là? Vous êtes en train de dormir? C'est diabolique. renoncer aux paroles insultantes. Oui, on doit être quand même honnête et dire la vérité aux gens, mais il y a une manière de le dire. Il y a une manière de le dire. Lisons dans Ephésiens 4, je vais terminer avec ce, ce passage. Mais il y aura la conclusion aussi après. Éphésiens 4, verset 28. Excusez-moi, c'est pas ça. À partir du verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce » à ceux qui l'entendent, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Vous savez le problème, c'est que en grandissant dans notre société, dans le monde, à l'école, on apprend quoi Comment se défendre Comment riposter Physiquement ou verbalement On apprend comment insulter. On apprend comment se moquer des autres. Tout ce qui est contre la volonté du Seigneur. Et pour changer, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Nous avons vraiment besoin de décider, de changer et de demander l'aide du Saint-Esprit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus Christ est notre modèle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, parce que si tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Nous devrions refléter l'amour du Christ partout. Qu'on soit célibataire ou marié. Mais surtout, c'est normal que dans le contexte du mariage, on choisisse l'amour, de manifester l'amour divin. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous invite à fermer vos yeux, à couper vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Analysez votre cœur et votre vie. Et je vous encourage à choisir l'amour. Nous devons nous repentir de ce qui est mondain, ce qui est le contraire de l'amour. La Bible dit dans Romains 5, au verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lui seul, l'Esprit du Christ, peut nous aider à aimer. Lui seul peut nous aider à pardonner. Combien c'est important! Peut-être que votre partenaire vous a quitté. On fait quelque chose encore plus grave vous avez du mal à pardonner nous devons pardonner au pire de nos ennemis nous devons choisir d'aimer prier pour eux et leur faire du bien en dépit du tout non ce n'est pas facile en fait c'est peut-être impossible sans l'esprit du christ en nous mais il veut nous aider à aimer, à pardonner. De la croix, Jésus a prié pour les gens qui se moquaient de lui, qui crachaient sur lui, qui lançaient des pierres, des morceaux de bois contre lui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous devons prier de la même manière pour nos ennemis, pendant que les yeux restent fermés. Si ce matin vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Vous pouvez les baisser après. Oui, je vois plusieurs personnes. Père Céleste, tu connais les problèmes de chacun. Certains sont divorcés, d'autres sont mariés, mais. Ça ne va pas. D'autres sont célibataires. Et le diable attaque tous. Seigneur Jésus, selon ta parole, tu peux nous garder de toute chute et nous présenter au Père dans la joie et dans l'allégresse. Je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour toutes les personnes dans cette salle. Seigneur, aide-nous à être de vrais disciples, de vrais chrétiens, semblables au Christ en tout point. Remplis-nous de l'esprit. Conduis-nous par l'esprit. Au nom de Jésus. Que tout cela, si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie, si vous voulez donner votre cœur, votre vie à Jésus Christ, élevez vos mains vers le ciel et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Là où vous êtes. D'habitude, nous prions avec l'imposition des mains. Je ne vais pas le faire ce matin, mais je vais prier de manière générale, et le Seigneur va vous toucher. Peu importe votre besoin, élevez vos mains bien haut vers le Seigneur avec foi. Voyez-le avec les yeux de la foi. Je vais même vous demander de répéter une prière après moi pour aider les gens qui veulent se mettre en règle. Que toute l'Église répète la prière. Priez avec votre cœur. Père j'ai besoin de toi. Tous les hommes sont pécheurs. Je désire être libéré de tout péché. Pardonne-moi, purifie-moi. Change ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est le seul vrai sauveur du monde. Il est mort pour mes péchés. Ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Remplis-moi de ton esprit éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que je puis abandonner absolument tout péché. Les œuvres de la chair, tout ce qui m'en Je désire vivre en, en tant que vrai disciple. Je désire être comme Jésus-Christ en toutes choses. Change-moi, Seigneur. Père, par ton esprit saint, changez nous tous. Au nom de Jésus. Maintenant, priez à votre manière. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes malades. Je prie pour toutes les personnes qui ont besoin de miracles dans d'autres domaines. Seigneur, touche chacun. Agit puissamment pour chacun, que tous aient du travail, que tous prospèrent afin de pouvoir donner à celui qui donne le besoin, que nous puissions tous donner pour soutenir l'évangélisation du monde, que nous puissions tous donner pour aider les affamés, au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous tous du Saint-Esprit. Que tous aient la possibilité de t'adorer en d'autres langues. Que les dons du Saint-Esprit s'opèrent en nous, au travers de nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.